Bravo 6. Going dark. Hey, y'a quelqu'un? Allô? Comment ça marche ce truc là? Parce que moi d'habitude j'appuie sur un bouton et puis c'est bon quoi, hein? Attendez, Captain Price? Captain Price? Merde, une clé mort. Restons-en au gaming. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus safe. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe pour le mieux en ces temps de canicule. Que ça geek sale. Bon, moi ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de jouer. Merde, chier. Et en plus de ça, sur Call of Duty Warzone, il y a eu la nouvelle saison. Le stade a explosé, il y a un train. Du sale, du très lourd. Alors on va faire comme la dernière fois, pour ceux qui l'avaient vu. Les pires fails de Warzone et des trucs incroyables aussi. On va profiter de cette nouvelle saison pour regarder les clips les plus fous. Des mèmes, des clips marrants, des clips stylés. Voilà, c'est un petit peu un mélange comme à l'ancienne de top 10. Sauf que là, bah, tout le monde filme, alors il y a des vidéos de fou. On est sur le Reddit spécial Call of Duty Warzone. Et j'espère qu'il y aura de la nouveauté parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer. Putain, j'avais du travail. Merde. Donc je compte bien me rattraper maintenant, ok? Ça part pour les choses les plus incroyables de Warzone. Alors là, la grosse nouveauté, c'est que le stade est ouvert. Du coup, tout le monde spawn dedans. Vu que c'est une nouveauté, tout le monde va dedans. Et j'avais vu ça. C'est un délire. Regardez tout le monde dans le ciel. Et lui, il a l'hélicoptère, mais il va faire un massacre. Combien ils vont en avoir? Regardez les pauvres, ils vont tous au stade. Wouah, mais ça c'est un rêve. C'est un rêve de gamer, regardez. C'est du tir au canard. Mais comment il a fait pour avoir l'hélico aussi vite? C'est pas possible. Wouah, du sauciflard dans le ciel. Des petits bouts. Et il va continuer, hein. Et regardez, il est tombé dedans direct. C'est insane. Regardez encore un. Paf, et voilà. Oh, la triplette. Oh, mais ça, je pense que c'est plus... On peut plus faire ça. Ça, c'était vraiment les premières heures. Je pouvais pas le faire, ma mini. Oh, le délire. Regardez tout ça. C'est l'apocalypse. Les ténèbres, ça va sur le stade. C'est du délire. Mais là, tu passes avec l'hélicoptère. C'est hardtop. Tu fais de la saucisse en masse. Oh. Ah ouais, toujours plus. Il y a tout le lobby quoi. Il y a 140 personnes dans le stade. Mais c'est un petit peu comme un vrai match de football. C'est le RC Lens. En parlant du stade, regardez un petit peu ce que j'ai. Oh, Verdansk. Oh, Verdansk. Et nous les bleus. Allez, allez. Et le Thomas. Et le Thomas. Ouais, j'ai été supporter dans une autre vie. C'est l'écharpe du club de Verdansk. Regardez, on voit le logo ici. Alors si quelqu'un sait parler russe. Parce que moi, je sais pas, c'est marqué Verdansk, non? Ah non, c'est des... Les Sparks! Oh, les Sparks! Est-ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que... Vous savez, j'adore le football. J'en ai fait pendant plus de 10 ans. Wow. Officiel, vous êtes prêts? Bam! Oh, Verdansk! Ouais, je suis équipé, ouais, je reçois des petits cadeaux d'Activision, normal, t'as vu, on est là. Je joue à Call of Duty depuis que je suis né. Bien sûr que j'ai un maillot Verdansk, qu'est-ce que tu crois? Ouais, je suis gâté, ouais. Ça devient impossible à contrôler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, le stade, c'est... C'est le nouveau Tilted. Oula. Ah, les bons petits glitchs à l'ancienne. What? Ah ouais, mais là, ça va être délicat. C'est un nouveau skin? Combien ça coûte, c'est le nouveau skin d'armes? Bah, ça va être difficile de se camoufler, dira-t-on. Ah oui. Oh, waouh. Ah bah là on est sur un bon vieux cheater, hein. C'est vrai qu'il y a des petits soucis de cheat sur Warzone, hein, sur PC. Ça cheat un max. Faut bannir tout ça. Vous me les bannez. Ça dégage. Je sais pas ce que vous pensez des cheaters, alors je dis ça, mais il y en a certainement parmi vous. Ouais, je vois, ouais. Ça fait déjà cheater au moins une fois. Je vous traquerai. Je vais prendre votre adresse IP. Ah, un clip avec le train. J'adore me battre sur le train. Faut faire des vidéos là sur le train, là. Regardez ça. L'attaque du train! Oh non, il va pas faire un bombardement sur le côté et ça va le tuer derrière. Ce mec est un génie! Il a mis le bombardement là sur la gauche. Oh là 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 là. Et là, les gens deviennent trop chauds aussi, c'est ça le problème. Ah, il y en a encore un. Ça casse! Ah ouais, c'est méga stylé! Oh là 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 là! Oh là 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 là, le full team! Ah, c'est magnifique. Ça, c'est toute bonté. Le cerveau, le brain, il a activé le bombardement, il passe sur le côté, petit. Comme ça, petit sauté du train. Et ça mitraille. Bon, par contre, en face, là, ils sont en PLS. Je pense qu'ils sont dans la sauce, hein. Ils ont pleuré après. Ils ont supprimé le jeu, c'est sûr. Quand tu trompes la mort et que Dieu n'aime pas ça. Ça part sur un big karma. Il est de son véhicule. Petit dérapage contrôlé. Oh. Oh. Mais il va se passer un truc. C'est des TC. Ah, le véhicule, tu vois, le véhicule, il est en mode. Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que je suis sur la map ou est-ce que je suis out of max? Bah, dans le doute.
Le dernier gars a essayé de me piéger avec la zone, mais j'avais d'autres plans. Ça fight sale pour le top 1. Ça va être la victoire pour le joueur. Ok, donc le dernier joueur là, il se cache. Il essaye vraiment avec le bouclier. Vous voyez, ça c'est une des stratégies. Vous prenez le bouclier et vous faites en sorte que le dernier meure à cause de la zone avec le gaz, parce que le gaz il est mortel. Ah ouais, en fait il est parti au shop l'ennemi pour prendre des masques et là du coup il s'oxygène à fond dans la zone. Ah il va le push. Non, il était au shop. Ben oui, il est là. Ah il va le baiser. Ça y est, il a plus de masque. Aïe 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 aïe. Ah il a eu les couilles hein. Il a eu les couilles, il a pushé. C'est ce qu'il fallait faire dans cette situation. On s'occupe de ces campeurs en revenant fraîchement du goulag. Ok, donc là ça revient du goulag. Ah ouais. Mais attends, ils l'entendent pas. Oh. Mais non, mais là il y a de l'abus. Oh, il doit avoir un seum. Il a raté son C4. Oh aïe aïe. C'est comme ça qu'on s'occupe des campeurs. Après là, franchement, ils ont été genre débiles. Les mecs sont débiles. Je veux dire, ils sont là, ils sont en train de camper. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de regarder au-dessus de leur tête. C'est le seul endroit où on peut les attaquer. Les calculs sont pas bons. J'ai cru comprendre que vous aviez tous 200 d'IQ. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, c'est fait outplay. Déjà, joueur console. Grid is marked. Mais non. Felix 3, good copy, strike. Il va se buter. C'était sûr. De toute façon, tu le vois dans ses mouvements que le mec est pas serein. Tu vois qu'il est un peu perdu. Déjà, tu regardes son arme, tu te dis bon, il y a un problème. Le gars, il veut ouvrir une porte, il confond carré et L2. Ah, les bombardements, ils ne pardonnent pas. Enfin, je dis ça, mais moi aussi, j'ai déjà eu ce fail. Fermez bien les portes. 3v1, 3v1, Réa. Non, quoi? Mais les gars... Voilà, voilà. Enfin, bref. Bon, moi, j'étais bien à l'intérieur quand même. Je veux dire, hey, en vrai, c'est pas trop de ma faute. Ok, 60% du temps, ça marche à chaque fois. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il le met en dessous de l'échelle. Waouh, lourd. Il a mis une clé mort, il a buté un hélico avec. Ah ouais, c'est fort. Et en fait, il saute pour pas mourir des dégâts. Mais c'est du délire, les gens sont trop chauds. Je suis très bon à Warzone. Oh, il va se poser sur... Oh là là. Ah non. Oh. Ah ouais, il a... Ah oui, d'accord. Ah, il s'est fait, mais violenté. Ah ouais, il voulait faire le malin, il voulait sauter sur le camion. Garde-le, garde-le. Il a tapé juste une petite marche arrière. Allez, dégage. Il l'a dégagé comme une petite mouche. Comme un petit crottin. Quand les dieux de Call of Duty alignent parfaitement les étoiles en ta faveur. Attention, là, à mon avis, il va y avoir un gros coup de chance. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le zinc? Oh oh. Oh. Waouh! Ah mais là le conducteur il est refait. C'est ni plus ni moins du plaisir. Voilà, c'est de la luck hein. Mais les mecs ils ont sauté comme des malades. Attention, karma instant. Ah il se fait tirer dessus. Non mais ça, les mecs qui tirent dès le parachutage, arrêtez! Regardez là, il veut sa vengeance. Oh, il a pas de shield en plus. Il va prendre sa vengeance. Il va mourir 100%. Et voilà. Et voilà, le karma il a fait le malin. C'est trop le ouf. Attention. Oh, what? Impossible! Impossible! C'est quoi ce fail? Normalement, il doit mourir. Là, normalement, il doit mourir. Là, c'est... Paf! Oh! Oh! Ah, où tu goulag? Ah, tu prends ça au goulag? Je sais même pas où tu finis. Si tu finis en enfer, c'est fini en fait. Tu es encore en dessous. Tu peux plus rejouer au jeu. Là, c'est terminé. C'était le goulag ultime. Non, il va lui mettre un cut. Il va lui mettre un cut dans le... Non! Alors ça, c'est trop stylé. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Waouh, mais attends, il a les couteaux de l'extrême aussi, là. Waouh, le samouraï. Il vient du ciel, il code du ciel. Oh là là. Ah bah, ça, c'est trop stylé. Je vais tester de faire que ça maintenant, moi. Ça, c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas qui de nous était le pire. Et le combat qui s'annonce, hein. Oh oh. Attends. Mais il y a des gens, ils sont sourds. Je te jure, ils jouent. Comment tu peux pas entendre ce bruit? En plus, le goulag, il vient de fermer. Ah non, mais lui... C'est pas possible, c'est un bot. Le mec, c'est un bot. Il attend de s'écraser. Ça fait un gros paf. Après, il se met une seringue. Ça fait un gros. Après, il attend de courir. Ça fait. Non, il y en a, je sais pas. Leur casque, c'est une pomme de terre. Tu vois, c'est. Je sais pas. C'est quoi ça? La tête. Oh, le skin. Oh, waouh. Ils ont gonflé un peu. Regarde la tutée. On se croirait sur Nintendo 64. Je crois qu'ils ont eu trop d'oxygène. C'est comme quand tu vas dans l'espace. Si t'enlèves ta combinaison. Tu gonfles. Peut-être qu'ils sont dans l'espace au final. Oh oh. Wouah. Alors là, la violence du truc. Je crois qu'il a même pas eu le temps de lui dire attention. Colis stratégique en approche.
Waouh, il est tombé mais pile dessus. Le gars était magnétisé. Guidage automatique du colis. Ça m'est jamais arrivé ce genre de truc et bien heureusement. Ce qui est vraiment cool avec Warzone, c'est qu'au début ça a cartonné quand c'était le confinement en plus, tout le monde y jouait. Moi je l'ai séché. Et au final là, il y a des mises à jour, il y a plein de nouveautés et tout le monde reste dessus et c'est vraiment un putain de jeu quoi. Je sais pas si vous y jouez mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend avec Call of et avec Warzone. Ok. Messieurs, dames, c'est la fin de ce deuxième épisode. Si ça vous a plu, vous laissez un pouce bleu, un commentaire. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!